Any questions? Well, we're not all here yet, are we? Any questions anyway? Oh, my French voice is not here. She's coming. Okay. Thanks, honey. So, any questions? Oui, une question sur la grâce Kripa. Vous nous avez dit que le. Where are you? Who is talking? Ici. Okay. Que le chemin est un travail difficile. Où intervient la grâce du gourou, puisqu'on parle aussi de la grâce du gourou, et qu'est-ce que c'est la grâce dans le bouddhisme? I would like to ask about grace, the grace of the guru, or the benediction of the guru. We haven't talked about that yet. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qu'on abordera plus tard. Est-ce que vous pouvez attendre? I'm leaving tomorrow afternoon. Okay, I'll make sure I fit in today. Bon, alors j'en parlerai un peu aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Sur la mort, l'impermanence. Comment y réfléchir? Ben, en fait, moi, c'était pas sur la mort et l'impermanence, alors je sais pas si je dois la poser. I have a question, but it's not about death and impermanence, so I don't know if I'm allowed. If we've talked about it already. C'est un sujet qu'on a abordé déjà. Ouais, je voulais savoir, en fait, par rapport à l'ego et à la notion de soi, on sait que l'ego, voilà, c'est quelque chose de négatif, mais souvent, vous venez et vous dites « you are the boss »,« you decide ». Alors, est-ce qu'il y a quand même une notion de soi? Et si oui, qu'est-ce que c'est? So, you talked about ego and self, and I feel like it's something negative. Ego is something negative, but then you go on and on about how we are the boss, and you say you are the boss, you decide. So there is something. No, because you do exist. Vous existez vraiment. Oui. So what's the problem? Saying you're the boss. Donc il y a pas de problème. Je peux dire c'est vous le chef. Why is that ego? Pourquoi c'est ça l'ego? Okay, what's ego according to Buddha? Okay, d'après le Bouddha, selon vous, selon votre compréhension, qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment s'exprime la voix de l'ego, d'après vous? Ben, c'est quelque chose d'automatique qui est négatif, qui n'est pas contrôlable. Something we cannot control, that's automatic, that's negative. Well, I mean, we can. It's the negative voice. Yes. The negative. I'm hopeless. I'm no good. I can't do it. Not fair. Poor me. It's your fault. I'm guilty. Kill myself. They're the voices of ego. C'est moi le coupable. Je vais me tuer. Je suis mauvais. Je suis nul. I can change. I have potential. I can do it. I'm a boss. It's to do with karma. It's my responsibility. That's not ego. Donc ça c'est virtue. That's fact. Ça c'est l'ego. Et la voix qui dit je peux le faire. C'est entre mes mains. C'est mon karma. Je prends la responsabilité. Je peux changer. Ça, c'est factuel. C'est pas l'ego, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Souvent, moi, je vois dans ma tête, je vois souvent les deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai le choix entre choisir quelque chose de positif et de négatif. Je me rappelle une expérience, par exemple, j'étais dans un magasin et j'ai acheté de l'huile d'olive et je voulais entendre un certain. J'étais persuadée qu'elle coûtait un certain prix dans ma tête, et j'ai entendu en même temps le prix que je voulais entendre et ce que disait en réalité la vendeuse selon le prix que ça coûtait effectivement. Et donc j'ai l'impression qu'on peut choisir entre ce qu'on veut entendre et la réalité. Often I feel I have both voices in my head in the same time. Absolutely. Like I was in a shop once and I was buying olive oil and I saw the price tag, but somehow I believed it was another price. Like we can have two different contradictory thoughts in the same time in our heads. But that's part of our problem. That's why it's so difficult to practice. If you had only attachment at one point and then only love at another point, it's easy. But love and attachment come together. They sound even like the same voice. So we have to extract them, identify them, unpack them. This is what's so tricky, you know? En fait, c'est là que réside tout le problème. C'est qu'on a en même temps dans notre tête, dans notre esprit, différentes voix contradictoires. Si on avait l'attachement à un moment dans notre esprit et qu'à ce moment-là on aurait et qu'on avait l'amour dans notre esprit à un autre moment et qu'ils se mélangeaient jamais, ce serait difficile de faire la part des choses. Mais le problème, c'est qu'ils viennent ensemble, complètement mélangés, à tel point qu'ils semblent être la même chose, qu'ils parlent d'une seule et même voix. Et c'est ça qui nous plonge dans la confusion et qui rend les choses plus difficiles. The factor that determines les facteurs qui déterminent le facteur qui détermine que la pensée est positive et pas négative. It's an expression of ego grasping. It's based in the grasping at the sense of self, the neurotic sense of self. Le facteur qui détermine que telle ou telle pensée est une pensée négative ou positive, c'est qu'elle soit ou non une expression de la voix de l'ego. So that will then give, so the voices of that, the stories that that one tells are called attachment, anger, depression, jealousy. They're the names of those voices. Et donc l'expression de notre individu névrosé, de notre soi névrosé, et donc les voix de cet ego, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous raconte les histoires qui deviennent l'attachement, la colère, la jalousie, etc. Those voices, those thoughts, those stories. Ces histoires, ces voix, ces pensées. Stories. Ces histoires. Right. Voices, stories. Yeah. Okay. Yeah, so the thing is, when anger is very loud. Et donc quand la colère devient puissante. It's easy to identify it, isn't it? C'est facile de la reconnaître, n'est-ce pas? When attachment is really strong. Et quand l'attachement est très fort. It's easy to identify it. C'est facile de le reconnaître. Good. Perfect opportunity to practice. Donc ça, c'est très bien, c'est une opportunité parfaite pour pratiquer. I love you, mais quand je vous dis je vous aime, sounds really good. Ça sonne vraiment très bien. And I will act really good. I'll be taking care of you and look after you. Et je me conduirai d'une façon très attentionnée envers vous. But what I'm not noticing is it's polluted by attachment. And the attachment voice maybe at the moment is more It even could be the most strong, but it sounds like and looks like what we think is virtue, which is I love you, which is altruistic. Et ce que je ne remarque pas, c'est que cet amour est pollué par l'attachement. Et même si l'attachement, à ce moment-là, est beaucoup plus fort que l'amour, ce sentiment a l'air d'être vertueux, a l'air d'être altruiste, puisqu'on a l'impression que c'est de l'amour. So I do love you. I do, which means I want you to be happy. Mais il est vrai que je vous aime et que je désire votre bonheur. And then when you're happy, I delight in that. Et quand vous êtes heureux, ça me réjouit. I really, really do feel that. Et je ressens ça vraiment. But I just don't notice that it's driven by attachment. Mais je ne me rends pas compte du tout que cela c'est mené par l'attachement. And the only time I will notice that it's actually driven by attachment is when you stop doing what I want. Et le seul moment, la seule occasion qui me permettra de reconnaître que cet amour est conduit et mené par l'attachement, c'est au moment où vous arrêterez de faire ce que je veux. So it's really tricky to identify. It's very hard to identify. Et donc c'est vraiment très difficile de reconnaître cela. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous me suivez? So yeah, of course, all this, you know, there's 1,000 little voices in there, all mixed up together in this big soup of emotion. And we only notice the voices that are really loud at any given moment. We don't even notice the rest, and that's why we have to be our own therapists to start looking deeply and hear it more subtly, you know. Et donc en fait, dans notre tête, il y a constamment des milliers de petites voix qui s'expriment constamment. C'est comme une espèce de grande soupe d'émotions. Et nous, tout ce qu'on arrive à percevoir, à entendre, ce sont les voix qui sont les plus bruyantes. On n'entend pas toutes les autres. Et notre travail, ce qu'on devrait faire, c'est donc en essayant de devenir notre propre thérapeute, de regarder plus profondément dans toutes ces voix qui s'expriment à l'intérieur. So if you and I have a relationship, and you know I'm very selfish and take all the food for myself, it's easy to find fault in that. It's easy to see, oh God, you're so selfish, you know. It's easy to see my attachment. Et donc si on est dans une relation que je prends toute la nourriture pour moi-même et que je la partage pas, c'est vraiment très facile de voir que je suis très égoïste et c'est très facile de voir qu'il y a un défaut là-dedans. But if I'm, you know, in our relationship, if I'm, you know, giving you all the food. Mais si je suis, donc on est dans cette relation et moi je vous donne toute la nourriture. That looks like I'm being very generous. How can you fault me? Et donc ça a l'air vraiment très généreux. Vous pouvez pas m'incriminer. But maybe my attachment to reputation, attachment, my craving for you to approve of me, it's my way of getting, you know, my attachment's way of getting you to love me. And so it's hard to find fault in that, and it's very hard for me to even see my attachment. But maybe the attachment to getting what I want is even stronger in that situation than really being greedy when I take my food, which is obvious to be attachment. You know, it's really tricky. Et donc si je vous donne toute la nourriture et que à ce moment-là c'est difficile de voir que c'est une action négative, mais peut-être que au niveau de ma motivation il y a un attachement très fort à ma réputation ou à un attachement très fort pour obtenir votre bienveillance, un attachement très fort à ce que vous m'aimiez, et c'est d'autant plus difficile de voir à ce moment-là cet attachement parce que l'action a l'air vertueuse, a l'air généreuse, mais peut-être que en fait je suis mon attachement est beaucoup plus puissant et fort quand je vous donne toute ma nourriture par attachement au fait que ensuite vous allez m'aimer plus ou parce que pour avoir une bonne réputation, que quand je prends toute la nourriture pour moi avec égoïsme. Parce que le premier est tellement évident, tellement clair, et le second est beaucoup plus tortueux. You know what I mean? Vous me suivez? So it's really tricky to see our minds, you know? Donc c'est vraiment très compliqué de voir notre propre esprit. We've really got to have some focus. Concentration. So, and then we have to listen to these explanations of Buddha's explanations of how these different states of mind function, because it's a particular approach that Buddha has. You can see. Et donc, ça demande beaucoup de concentration, d'introspection, et beaucoup également d'avoir beaucoup écouté, étudié l'explication du Bouddha en ce qui concerne les états mentaux et leurs différents fonctionnements, parce que c'est ça sa méthode. You know, we can see it in the attachment of a mother. Donc, on peut voir par exemple cela dans l'attachement d'une mère. Donc, je peux voir ça par exemple dans ma famille, qui est particulièrement délirante. On avait beaucoup d'événements spéciaux qui se sont passés dans notre famille. Par exemple, notre père abusait de nous. So my mother would overcompensate. Et donc, ma mère essayait de compenser à cause de ça. So, for example, I wouldn't, you know, I'd be late for school, and I wouldn't have done my homework. Admettons que j'arrive en retard à l'école et que j'ai pas fait mes devoirs. It was because I was undisciplined and lazy. C'était parce que j'avais pas discipline et parce que j'étais paresseuse. My mother always felt guilty because of all the dramas with her husband, my father. Mais ma mère, elle se sentait toujours coupable à cause de tous ces drames, à cause de son mari qui était mon père. And she'd do my homework for me. Et elle me faisait mes devoirs. Même une fois, je me souviens, elle a écrit un poème à ma place. Et donc le prof m'a posé des questions sur certains mots. C'était clair pour elle que c'était pas moi qui l'avais écrit. Et donc she ended up not helping me at all. Et donc ça m'a pas du tout été utile. En fait, elle m'a pas rendu service. So it's hard to criticize my mother. Stop helping me, mum. C'est difficile de la critiquer, de lui dire arrête de m'aider, maman. Because she thought she was helping me. Parce qu'elle croyait qu'elle m'aidait. She meant well. Elle avait de bonnes intentions. But it was coming from attachment. Mais ça venait de l'attachement, et à la fin ça m'a pas rendu service parce que ça ne venait pas de la sagesse. I mean, this is not, might be not the examples you're talking about, but this is a typical way that attachment makes them, causes our good things to be make a mess, you know. Et donc ça correspond peut-être pas à l'exemple que vous donniez, mais on peut voir ainsi que l'attachement fait que transforme les choses qu'on désire, qu'on fait avec bonnes intentions. En fait, finalement, c'est le bazar à la fin. What I learned from working with people in prison was this particular point. Ce que j'ai appris de par mon travail avec les gens en prison. It's easy to have when you see people with extreme suffering, like being in prison, living in these ugly places. You can, you know, feel sorry for them. We say the words, feel sorry for them, which means have compassion. Okay, have compassion for them. Et c'est que en travaillant donc avec ces gens qui étaient accablés de souffrances incroyables et qui vivaient dans ces endroits horribles. C'est que, bon, en général, on dit qu'on se sent mal pour eux, ou on se sent désolé pour eux. But if it's kind of compassion that's mixed with attachment, it's sort of sentimental, it's neurotic, and it's really inappropriate. It's like the kindness of the mother. It over-exaggerates. Et donc on a, disons, une certaine forme de compassion pour eux. On compatit avec leur souffrance, mais cette compassion que l'on a, elle est mélangée avec un état d'esprit névrosé, exagéré, comme un peu la bonté de nos mères qui est exagérée. Et c'est difficile de reconnaître cela en nous. Then eventually what happens, I saw this with many people who want to come and work with people in prison, become one of our, when I was doing it, I'm not doing it anymore, someone else is doing it, we had like a team of a couple of hundred mentors who write to prisoners, you know. Et donc, à la fin, ce que j'ai fini par remarquer avec tous ces gens qui travaillaient avec les prisonniers, maintenant moi je le fais plus, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, mais donc à l'époque on avait toute une équipe d'environ une centaine de professeurs. People who join the team, all are kind of full of compassion, want to help people in prison. Donc qui écrivaient aux prisonniers. Donc ces gens nous rejoignaient notre équipe, plein de compassion et d'enthousiasme, qui voulaient aider ces gens qui étaient en prison. When the attachment disappeared, et quand l'attachement a disparu, so did the wish to help. Le désir d'aider également disparaissait. The same with anger. Pareil avec la colère. La colère peut nous motiver à changer, pour changer les choses, nous donner l'envie de changer, d'aider. Mais quand la colère cesse à un moment, puisque c'est comme ça que ça se passe, le désir d'aider cessera également. I remember His Holiness in an interview one time was asked about the person said, "Well, anger looks good. It makes you want to make things different, want to help." And His Holiness said, "I know what you mean, but when it's anger, he said it doesn't last. But if it's motivated by genuine compassion, and that's the same whether if it doesn't have attachment as well, then you never give up." Je me souviens très bien qu'une fois, un jour, quelqu'un a posé cette question à sa sainteté. Il lui a dit, mais la colère, c'est quand même positif parce que ça vous donne la motivation, l'énergie, l'envie d'aider, de changer les choses. Et sa sainteté a répondu, je sais parfaitement ce que vous êtes en train de dire et je le comprends, mais le problème c'est que si vous êtes motivé par la colère, ça ne durera pas. Et alors au contraire, si votre action est motivée par la compassion, elle ne cessera jamais. It's just this, I remember this one time, this little experience when I was at our monastery. I was living in Kopan monastery in Kathmandu, our monastery, Lama Zopa's monastery, Lama Yeshe's monastery. Donc je me souviens d'une autre petite histoire que je veux partager avec vous. C'était à l'époque où je vivais dans notre monastère à Kathmandu qui s'appelle Kopan. Donc c'est, enfin, notre monastère, le monastère de Lama Yeshe, de Lama Zopa. And I remember at one point, in between classes, because there's several hundred monks there, in the courtyard, all these monks coming and going to different classes, and two little monks, you suddenly saw this little kind of flare-up. They sort of had a quick little fight, you know? Et donc, some small thing. Pendant la pause, entre les cours, il y avait donc là-bas, il y a quand même plusieurs centaines de moines qui vivent, et puis donc entre les cours, tout le monde se croisait dans la cour, et à un moment, on a vu ces deux jeunes moines qui ont eu une petite dispute, une petite bagarre. And this is just my observation. I mightn't have been accurate in the way I'm assessing it. Et bon, moi, ce que je vous raconte, c'est comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Peut-être que je me trompe. But what I seemed to notice was everybody just left them alone. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde les a laissés tranquilles et personne n'a interféré. So I think, like a parent would, or like, you know, with us, with our attachment to making things better. Et donc, je me suis dit, ils ne se comportent pas comme des parents qui interviennent, qui essayent d'améliorer les choses. Would have rushed in, you know, pulled them apart. Why are you doing this? Why are you doing that? Blah, blah, blah. Se serait jeté sur eux, les aurait séparés, aurait dit pourquoi tu te comportes comme ça et toi pourquoi tu fais ça, et les aurait grondés. With a wish to help. Avec évidemment le désir de les aider, mais comme c'est mêlé à l'attachement, we over-exaggerate, we make a mess. On exagère la situation et on fout le bazar. We stick our noses where they don't belong. On se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Do you understand what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? Because attachment wants everything to be nice. Doesn't like seeing people fight, so we act like it's being helpful, but it's because we don't like it. Parce que notre attachement n'aime pas que les choses ne soient pas paisibles et que les choses ne soient pas comme on le voudrait. On n'aime pas. On voudrait que tout soit lisse. Which point? I don't know. What? What did you, attachment doesn't like things to be. Our attachment doesn't like to see things not nice. We want everything to be nice. Yes. So that we think it's our wish to make it better that goes in, but actually it's our attachment to having everything just like we want it. Et donc on pense qu'on est poussé par notre souhait d'améliorer, de changer les choses quand on fait, quand on cherche à changer les choses, mais en fait c'est simplement notre attachement qui nous pousse là-dedans. Do you understand what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très profond, non? Et parce qu'on ne supporte pas que les choses ne soient pas toutes jolies et belles. Et donc on se rue sur les situations qui nous déplaisent en essayant de les arranger. Mais on fait ça par attachement et du coup on se met des choses qui ne nous regardent pas. Parce que cette petite bagarre, finalement, personne ne s'en est mêlé et en 3 secondes, c'était fini. I remember my father, even though he was abusive in many ways, like sexual abuse, physical abuse, he had some wisdom and I really respected this wisdom. I could see it, I remember. Et je reprends l'exemple de mon père qui était qui nous agressait sexuellement, physiquement, et mais d'un autre côté, j'arrive à je me souviens très bien de sa sagesse que j'apprécie toujours. Parce que ce jour précis où ma mère a fait mes devoirs. Et je me souviens que mon père a dit ne lui fais pas ses devoirs, elle doit apprendre de par sa propre expérience. Et je me souviens très bien que ces mots m'avaient frappé et que j'avais la sensation de saisir un peu ce qu'il voulait dire, mais j'essayais vraiment de comprendre où est-ce qu'il voulait en venir quand il a dit ça. Ça veut dire que je serais donc allée à l'école le lendemain sans avoir mes devoirs faits, j'aurais eu des problèmes. And if I was a good girl, I would have learned from that experience. And my father was actually correct. That's a better way to help me. And that's a skillful way, a good way to help others. But our attachment doesn't want to do this. Our attachment wants to make it all nice, you know. So it's so interfering, it's so rude. So often we do this. All the time in our relationships we do this. Et donc, du coup, j'aurais appris de ça. J'aurais appris une leçon de ça. Et c'est en me laissant vivre ces expériences, en laissant les gens vivre l'expérience, c'est une façon très habile, très intelligente de les aider. Mais notre attachement ne veut pas faire ça. Il veut rendre tout joli et lisse. Et on fait ça tout le temps dans nos relations. With our prisoners, I could not take their pain away. Par exemple, avec nos prisonniers, moi, je ne pouvais pas leur éliminer leur douleur. I couldn't open those prison doors. Je pouvais pas ouvrir les portes. I can think of people I knew when I was writing to people in prison. Some of the guys I've known for 15 years, you know. Et donc je pouvais pas les libérer de leur cellule. Et il y avait certains d'entre eux, des prisonniers que je connaissais depuis 15 ans. Some of them unbelievable. Certains d'entre eux étaient incroyables. How they've used the tools we've given them. La façon dont ils utilisaient les outils qu'on leur a fournis, c'était incroyable. C'est comme ça qu'on aide les gens. en leur donnant les outils. Then it's up to them. Et après, c'est à eux de travailler. Also the same amount of time, 15 years, who still haven't been able to use the tools, are depressed, suicidal, can't handle their life, and I can understand that. Je peux comparer ça à d'autres gens que je connais depuis également 15 ans, qui ont aussi auxquels on a également fourni les mêmes outils, mais qui n'ont toujours pas appris à s'en servir et qui continuent à être déprimés, suicidaires, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est quelque chose que je comprends également. Admettons qu'on ait un frère alcoolique. On essaye de l'aider. On passe du temps avec lui, on passe des heures avec lui, on essaye de lui donner de l'amour, on a de la compassion. Mais il y a beaucoup d'attachement là. On lui dit, tu ferais mieux d'utiliser ces outils, tu as intérêt à changer. Et donc s'il ne change pas, on a envie de laisser tomber, il nous énerve. Because that's our attachment. Ça, c'est notre attachement. So if we were realistic and understood that he was an alcoholic, we'd give him the tools, and then our heart would break for him, but we wouldn't get upset if he didn't use the tools. We'd know that's his suffering, and we'd let him be. Et donc, si on était plus réaliste quant à ces situations, qu'on se rend bien compte que c'est notre frère et qu'il est alcoolique et que ça nous brise le cœur, cette situation, et qu'on ferait tout pour l'aider, mais si on n'a pas d'attachement, ça nous mettrait pas en colère, ça nous désarçonnerait pas. Si on voit qu'il n'utilise pas les outils qu'on lui donne, on se dirait ben c'est sa propre souffrance finalement. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Et ça demande beaucoup de courage d'essayer d'agir sans attachement. Ça demande beaucoup de compassion et de courage et d'essayer de les aider et de quand on voit que ils restent dans leur souffrance, de dire que c'est aussi leur vie et que c'est ok. So meaning well is not enough, Lama Zopa Rinpoche says. Les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Ça, c'est ce que nous dit Lama Zopa Rinpoche. You need wisdom. On a besoin de sagesse. Et même du point de vue conventionnel, la sagesse vient quand qu'on élimine l'attachement. Et donc évidemment, la sagesse vient vraiment quand on a abandonné l'ignorance. C'est pour ça que pratiquer, c'est difficile et que voir notre esprit, c'est quelque chose de compliqué. Si l'attachement surgissait dans toute sa splendeur à certains moments, ce serait vraiment très facile de le reconnaître. Mais quand il contamine notre vertu, alors, enfin nos états d'esprit vertueux, alors là c'est vraiment beaucoup plus compliqué de le reconnaître. Alors des questions sur l'impermanence et la mort, est-ce que ça vous paraît? Time of death is definite. Death is definite. Time of death is uncertain, and the way to prepare for death is to. Est-ce que ça vous paraît une idée sensée? Donc ces trois points qu'on a évoqués, la mort est certaine, le moment de la mort est incertain et il faut s'y préparer. Yeah. The time of death is uncertain, but can I cheat that if I have one of the secondary causes of death? I think there's going to be a cure available in the next 10 years. I have my body frozen. Yes. Oh, I see. Huh? What, your body, when you die, you mean? Before I die, while I'm still alive. What would you do? I have my body frozen. What good is that? Where's your mind gone? So that's my question. Where's my mind gone? I have my body. Just a minute. Why would you want to? You're still alive. I'm still alive. And you want to freeze your body? I'm still alive. I want to freeze my body so that they can find a cure for the disease that I have. Mm. I think they're going to find that cure in the next 10 years. The technology is there to freeze me. Right. What happens to my mind? I'm interested in this at the end of my life and at the beginning of my life. So I can also have, when you have in vitro fertilization, the eggs can be fertilized and then frozen. What happens to that mind, those minds? Are they in like a sleep? Well, there's two questions there. Yeah, sorry. Bon. Admettons que... Donc on dit que le moment de la mort est incertain, mais je voudrais savoir si, admettons que je prenne le contrôle sur le moment de cette mort, de ma mort, et que, bon, admettons je tombe malade, mais je pense avec certitude que dans les 10 ans à venir, le remède pour la maladie dont je suis atteinte va être trouvé, et donc je décide de faire congeler mon corps en attendant. Une autre chose, donc à ce moment-là, en attendant le remède, le traitement, qu'est-ce qui se passe avec mon esprit? Est-ce que quand on congèle le corps s'arrête? Est-ce que le système nerveux s'arrête? Je pense que oui. Donc il ne reste plus de base pour l'esprit. It's like suspended animation. You're much more slowed down. Okay, let's say you do this, and let's say in 10 years they don't find a solution. Then what do you want? Unfreeze you? Then I guess what I have to do is I would have already put together the agreement, and it's okay if that hasn't happened because you'd have to work out then funding. Then unfreeze you. Then they're going to have to unfreeze you, and then you die. So then let's say they unfreeze you, and then you might have the karma to die even during that 10 years. So what's the point? What a dumb idea. Who wants to do this? What a ridiculous notion. Why would you want to do this? No, it's not. It's an absurd. You might think it's an option, but never mind. Never mind. I understand. Donc si, admettons que pendant ces 10 ans, au cours de ces 10 ans, ils ne trouvent pas de remède pour cette maladie dont vous êtes atteint, donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors, il faudrait certainement décongeler le corps et puis mourir. Mais Robina dit en même temps, si vous avez plus de karma, si ça se trouve pendant les 10 ans également, vous pouvez mourir. Donc vraiment, ça sert absolument à rien. So, as a Buddhist, what you might prefer to do would be understand that the sickness is due to your past karma. Donc, en tant que bouddhiste, ce que vous feriez certainement, c'est d'essayer de comprendre que, enfin, de réaliser que cette maladie provient de votre karma négatif passé. Et donc, vous vous engageriez dans des pratiques qui purifieraient votre karma passé. Et vous feriez la promesse de ne plus jamais vous engager dans de telles actions négatives. Et vous utiliseriez cette vie, quelle que soit la durée qu'il en reste, afin d'être bénéfique à autrui. Ensuite, vous mourriez. Et vous avez une renaissance vraiment, vraiment chouette. Il n'y a pas d'autre alternative qui soit meilleure que celle-ci. Non, ça marche pour moi. Okay. No, I think the first view. I think the first view would be only the view of a person who's a materialist and doesn't think there's any future life. Je pense que l'option donc de faire congeler son corps, c'est vraiment quelque chose que ferait une personne matérialiste qui pense qu'il n'y a pas de vie future. Isn't it? Yeah. No, so the second part of your question. Et donc la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce qu'on peut féconder une ovule et in vitro et ensuite la congeler. Qu'est-ce qui se passe? Even if they're so-called fertilized, an egg and sperm, a consciousness to take a rebirth needs the condition of a womb to actually for the consciousness to go there. So strictly speaking, from the Buddhist point of view, until that egg and sperm hit the womb, there's no mind there. It's not a sentient being. Okay. Et donc l'ovule fécondé in vitro qui est ensuite congelé, donc d'après du point de vue bouddhiste, je ne pense pas qu'il n'y ait une conscience là parce que les conditions nécessaire pour qu'une conscience puisse demeurer dans l'ovule fécondé, il faut que elle soit présente, elle réside dans une matrice. Donc à ce moment-là, si elle est congelée, il n'y a pas de conscience. So if that egg and sperm are fertilized in the womb, and then after 2 weeks you take them out and freeze them, then there's a sentient being there. Yes. Par contre, si donc l'ovule est fécondé dans la matrice et qu'ensuite elle est retirée et congelée, il est fort probable qu'il y ait une conscience là-dedans. Kerry said he read heard some teachings that the consciousness doesn't go in there immediately. Geshe said, didn't he? Which Geshe? Ah. Kerry a une autre version. Apparemment, un Geshe Jampel aurait dit que la conscience ne vient pas immédiatement quand l'ovule et le sperme rentrent en contact. Et moi, j'ai débattu avec ce Geshe et parce que je ne peux pas accepter cela. Anyway, never mind. So generally speaking, donc en général, that what conception is the presence of mind there. That's what causes the egg to cultivate. Generally speaking, I would think. Would you agree with that? He was saying that. But generally speaking, that at the moment of conception, there'd be no sentient being in the egg. No, I didn't say that. The time that we would call fertilization in vitro, if there's no womb there, there's no consciousness there. They look like it's maybe, they look like it's fertilized according to the Western view. But there's no mind in there. So that wouldn't be conception at that moment. That's not. It can only be conception in a womb. It can only be becoming a being in a womb. The mind can go there in a womb. So maybe fertilization is one thing. I'm not sure now. Maybe, you know, when mind is there. Okay. But it's not growing in it. Say that so far. Yeah. Donc, quand on parle de conception, il faut que l'ovule soit fertilisé dans la fécondé dans la matrice d'une mère. Et donc, elle est congelée et qu'elle est donc pas dans la matrice, peut-être qu'on peut dire qu'il y a fécondation, mais il n'y a pas la possibilité qu'un esprit, qu'une conscience réside dedans. Il n'y a pas de conception à proprement parler, puisqu'un être ne peut pas demeurer dans cette ovule fécondée et congelée. Ça nécessairement la conscience ou l'être, pour venir à l'intérieur de l'ovule fécondé doit être dans la matrice d'une mère. Et donc, pour moi, c'est ce que on appelle la conception. So what do they do with the petri dish? What do they put in there? What do they do? They mix together sperm and eggs. A sperm and an egg. They make and what? How do they? What do they call when it comes together? It merges and becomes one thing, does it? It becomes a cell, and then what they do is they say it's a cell. They'll have, or it's a collection of cells. It's a fertilized cell. What's fertilized mean? It means that the two have you've had that merger, and the separation of cells has begun. Instead of going from the separation of the cells, yes. What? They've started to multiply, so it's the beginnings. How old is this cell? A second, a minute, a day? I couldn't tell you. I don't know how old they are. So is that what you're saying, Geshe Jampel is saying? He didn't say about this particularly. But you can deduce that that's what he's suggesting. But they start to multiply before a mind gets there. Yes. Is there a shape? Has it got fingers and toes in it? No. There are no fingers and toes. It's really you're looking at it. It's the size that is then implanted into a womb so that it can grow. So a huge stock is done. No, I understand all that part. So I'm just trying to think about this business. Because this is what I asked Yangsi Rinpoche. I rang Yangsi Rinpoche in America and I said to him, I asked him about this one, because there's all this big talk, is it a being, is it not a being? Mm-hmm. And he said, no, the main condition that an egg and a sperm need for a mind to go there is a womb. Mm-hmm. Donc, quand on fait cette fécondation in vitro et qu'on congèle l'ovule fécondé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette chose? Donc ensuite, c'est une cellule qui est fécondée. On dit qu'elle est fécondée puisqu'il y a donc fusion du sperme et de l'ovule, et immédiatement, apparemment, cette cellule commencerait son processus de multiplication en différentes cellules, mais n'a pas de forme, ni de silhouette, ni de pied, ni de doigt, ni rien. Et donc, il y avait la théorie de Geshe Jampel selon laquelle la conscience ne vient pas tout de suite. Ça voudrait dire que la conscience viendrait après que ce processus de multiplication ait commencé. Et Robina dit, bon, il y avait toute cette discussion sur à quel moment précis la conscience vient dans l'ovule fécondé, et est-ce que à quel moment cet ovule devient un être ou pas. Et donc Robina a appelé Yangsi Rinpoche aux États-Unis pour lui poser la question, et Yangsi Rinpoche a été très clair sur d'après lui, une des conditions absolument nécessaires, c'est que l'ovule fécondé se situe dans une matrice. No. Have to think about that. Oui, pour qu'une conscience puisse y entrer. So you don't freeze an egg and a sperm separately. Donc on ne congèle pas un ovule et un spermatozoïde séparément. You can. But it's another system. You can do that too. So when the fertilized egg and sperm go into the womb, is it usual that it becomes a person? Yes, they usually plant sort of 4, and out of those 4, they expect 1 or 2 so the other 3 to grow, and the others will either not grow, be spontaneously aborted, and they keep the others that went through the process in the freezer in case all 4 fail and they need to try again. Donc ça, c'est effectivement, c'est un autre procédé. On peut congeler le spermatozoïde et l'ovule séparément, mais bon. On peut le procédé dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'ovule fécondé est congelé, et qu'ensuite, donc, enfin, il y en a plusieurs. On va en mettre 3 ou 4 dans la matrice de la future mère, pour voir. En général, on s'attend à ce qu'il y ait un ou deux fœtus, embryons qui se développent parmi les 4, et donc les autres seront naturellement, enfin automatiquement rejetés. Et également, on peut en congeler ceux qui restent au cas où. I didn't get the end. Like you can freeze the other ones in case all fail. Yeah, the other ones are frozen just in case. Which other ones? Because you can't really predict how many will be fertilized. Like 4 more will be kept or I think it's usually to try again. Up to 100. Ah. So quite a lot. The aim is to get sort of as many done donc, as possible. Ils vont en congeler encore plus pour retenter l'expérience au cas où les 4 ne se développeraient pas du tout. So again, I'm sorry, boring here. I'm going to try and see if Geshe Jump is right or not. So then, fertilized means, according to the West, what's fertilized mean? Fertilized means the sperm has entered the eggs and the eggs have started to multiply. That's a viable, something that's worth transplanting into the womb. It looks as if it's. So that means Geshe Jampel is right, doesn't it? Sounds right. Because if it's fertilized, I always thought, it seemed to me, that the thing that caused fertilization was the entry of consciousness. But if you're saying that it gets fertilized in the petri dish, and then secondly, if Yangsi Rinpoche says it needs a womb for a consciousness to go there, so it follows logically a fertilized egg and sperm, that the egg and sperm can go together and begin to multiply before consciousness goes in, which means Geshe Jump is right. Well, there you go. I'm wrong. Donc, je suis désolée, je vous ennuie un peu peut-être avec ce sujet, mais je veux vraiment voir si Geshe Jampel a raison ou pas. Donc, comment définit-on en Occident la fécondation? Donc la réponse est que c'est quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule et que l'œuf, hein, on dit œuf, non, commence à se multiplier et donc on peut qualifier ça de quelque chose qui vaut la peine d'être transplanté dans la matrice d'une mère. But the point here is you can chuck them all down the toilet. It's okay. You're not killing people. I think the Christian teachings would say that if it's fertilized, a soul there, and you're killing. But I thought until I asked Yangsi Rinpoche that it was a sentient being if it's fertilized, but it seems it's not a sentient being, so you can chuck them down the toilet. It's cool. There's no mind there. Et donc moi je pensais que la cause de la fécondation, c'était le fait que la conscience rentre et demeure donc dans cet ovule et ce spermatozoïde. Mais donc il semblerait que Geshe Jampel ait raison, puisque la conscience viendrait après que l'œuf est commencé, la cellule est commencée à se multiplier. Donc les implications qui découlent de ça, c'est que on peut balancer ça dans les toilettes sans tuer qui que ce soit. Et donc moi j'ai toujours cru que là on tuait un être, et donc à ce moment-là on va aussi être en contradiction avec la version catholique ou catholique. Okay. So the next thing that Atisha wants us to think about, after having thought about impermanence and death, getting a wake-up call, thinking, oh my God, I could die at any moment. What am I going to do about it? Et donc ce que notre enseignant, notre lama veut qu'on contemple, Atisha veut qu'on contemple ensuite, une fois qu'on s'est dit, oh mon Dieu, je peux mourir à tout moment. Sometimes you say many words for what I think is short, and then you say short words for what I think is long. Okay, so the next thing would be, and this is really a big surprise to us, he wants us to think about the suffering of the lower realms. Et donc, ce sera certainement un choc ou une surprise pour vous. Mais ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on pense aux souffrances des domaines d'existence inférieurs. So why would he want us to do this? Pourquoi voudrait-il qu'on fasse ça? Quelle logique sous-tend cette idée? Given that I've got beginningless lives, beginningless past mind, beginningless lives. Étant donné que j'ai des vies innombrables déjà dans mon passé, et donc d'innombrables graines négatives dans mon esprit que j'ai pas encore retirées, et que je peux mourir à n'importe quel moment. It follows logically that some of those one of those negative seeds, some of them could ripen as a suffering life. Il s'ensuit logiquement et fatalement que l'une de ces graines négatives peut tout à fait mûrir au moment de ma mort, qui peut survenir à n'importe quel moment, et donc me plonger dans les domaines d'existence inférieure. So therefore, if the possibility is to get a really crummy life, like a really lousy apartment after my Puerto Rico apartment, I'd better think about the disadvantages of having a crummy apartment like that, so I can prepare for a nice one instead. Et donc, quand je commence à envisager la possibilité d'avoir de renaître dans un endroit complètement pourri et moche, comme de devoir déménager dans un appartement délabré après avoir vécu dans mon super appart de Puerto Rico. Think about the likely possibility of a suffering type of life in order to realize how appalling it would be, and to think, bloody hell, I don't want this. What can I do about it? Et donc, on pense comme ça afin de se préparer pour pouvoir trouver une renaissance future qui soit agréable. Et donc on pense que l'on pourrait très bien renaître dans des domaines d'existence malheureux pour qu'on se rende compte à quel point ce serait terrible et désastreux, et pour qu'on se dise putain de merde, vraiment il faut que je fasse quelque chose pour pas me retrouver dans ce pétrin-là. Bloody hell is milder than that. Sorry? Bloody hell is milder than that. Yeah, I think so. I didn't find any. Bloody hell is very mild. En fait, bloody hell en anglais, c'est moins. Australian. En australien, pardon, c'est moins choquant quand même ce que je viens de dire, mais j'ai pas trouvé d'équivalent. I mean, I do say things worse than that. Mais il m'arrive de dire des choses pires que ça. Okay. So, like I said before, Buddha is asserting there's a whole spectrum of possibilities, of types of mental experiences labeled realms of existence. Et donc, ce que le Bouddha suggère, c'est qu'il y a toute une variété, toute une gamme d'expériences mentales que l'on appelle les domaines d'existence inférieure. There's different, you know, there's one level of type of rebirth called desire realm, and there's six within that. Il y a un niveau donc d'existence, de domaine d'existence qu'on appelle le domaine du désir, et qui est composé de 6 états. The factor that determines you're in that desire realm in any one of those 6 is the presence in your mind of this Matrigpa, this primordial ignorance that clings to the self-existent me. Et donc, ce qui détermine le fait que vous demeuriez, vivez dans ce domaine d'existence du désir, l'un des 6 domaines qui composent ce domaine du désir, c'est que dans votre esprit, il y a cette Matrigpa, cette ignorance. So if virtue ripens at the time of your death, you know, the possibility is to get a God realm, another level of the gods where they're a bit neurotic and jealous, but it's still a God realm called the anti-gods or whatever they're called. And then there's the humans. Et donc, si au moment de la mort vous avez une pensée vertueuse, une graine vertueuse qui est actualisée, portée à maturité, alors vous pouvez renaître dans le domaine du désir en tant que Dieu, en tant que demi-dieu, c'est-à-dire une version des dieux un peu plus névrosée, et, ou en tant qu'humain. C'est comme les meilleures banlieues du samsara. Et donc, si ce sont des graines karmiques négatives qui sont actualisées et qui mûrissent au moment de votre mort, vous allez aller dans les banlieues craigneuses du samsara. The least suffering of these three and the least populated is called the animal realm. Et donc le moins pire de des trois domaines d'existence, de ces trois banlieues, et le moins peuplé également, c'est celui des animaux. Et donc, on partage notre vie avec beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas? You don't have many mosquitoes here. Do you have mosquitoes? Yeah. You are. I haven't met one yet. Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques ici? Moi, j'en ai pas encore rencontré. But in some, you know, in some summer, in some this country, this garden out here, probably 7 billion mosquitoes in one summer, right? You can see there's an awful lot more of that lot than there are of humans. Donc, en été, dans un jardin comme celui-ci, on peut avoir 7 milliards de moustiques, donc beaucoup plus nombreux que tous les êtres humains réunis. So if we think of them all as sentient beings, all as mind possesses, which is Buddha's view, we can see that it's easier to get a mosquito birth than a human, for example. Et donc si on les considère donc comme des êtres vivants, des êtres dotés de conscience, on peut voir par rapport à leur nombre qu'il est beaucoup plus facile de renaître en tant que moustique qu'en tant qu'être humain. Actually, they say in the Lam Rim that the vast majority of all animals are in the depth of the ocean, deep, deep, miles deep down, with, you know, stacked high on top of each other in absolute ignorance and darkness. Il est dit dans le Lam Rim que parmi les animaux, il y en a d'innombrables qui vivent dans les profondeurs des océans, dans l'obscurité la plus totale, entassés les uns sur les autres et abrutis d'ignorance. I remember reading in the New York Times. Je me souviens, j'ai lu dans le New York Times, dans les pages consacrées à la science. And they were saying that they're now finding milliards of species in the depths of the ocean, stacked miles high in absolute darkness and ignorance, where they thought there was no oxygen, didn't believe once that there could be such beings. Et donc apparemment, les scientifiques auraient découvert que dans les profondeurs des océans, il y aurait des formes de vie, d'existence, des nouvelles espèces, des milliards de nouvelles espèces qui vivraient comme ça dans l'obscurité la plus totale, entassées les uns sur les autres, dans l'ignorance et l'abrutissement, un abrutissement incroyable, et des scientifiques n'en revenait pas parce qu'ils pensaient que dans ces profondeurs-là, il n'y avait pas d'oxygène, donc c'était impossible qu'il y ait des formes de vie là, mais ils en ont découvert. Et donc tous ces petits êtres possèdent des consciences. Sentient beings. Ce sont des êtres vivants. Semchens. Ce sont des semchen. They've all got beginningless mind. Ils ont tous des consciences qui ne connaissent pas de début. They've all been in the human realm and the God realm and the Ils ont tous été dans le domaine d'existence des humains, des dieux, des fois innombrables. Ils possèdent tous la nature de Bouddha. Ce potentiel naturel à être parfait, à devenir parfait. Un état qui est empli de bonheur et complètement dénué de souffrance. And they're all experiencing the fruits of their past actions. Ils font tous l'expérience des résultats de leurs actions passées. So, then you've got what they call the spirits, and there's lots of them and these disembodied beings. And the predominance, they talk about psychologically speaking, the predominance of the suffering of animals is ignorance, the root delusion, the main this gross kind of unknowing. Et donc la souffrance la plus importante dans le monde des animaux, c'est celle d'être, ou leur souffrance racine, c'est l'ignorance. Then the and the spirits, and in the Lama room they talk a lot about one type of them. They call them the hungry ghosts. Et donc ensuite, the predominance of suffering here is to do with attachment. Et donc ensuite vient le domaine des esprits. Et donc dans le Lama room on parle vraiment beaucoup d'un de ces types d'esprits qu'on appelle les esprits affamés ou les esprits avides. Et donc la souffrance qui prédomine chez eux, elle est liée avec l'attachement, à l'attachement. We hear about lots of them. There's lots of them linked, you know, connected with our human world, our animal and human world. Ils sont vraiment très nombreux et beaucoup d'entre eux sont liés, connectés avec notre monde humain. You know, spirits live all around here. Il y a des esprits qui vivent partout autour de nous. Spirits that possess people. Il y a des esprits people who hear voices, for example. qui possèdent des gens. Il y a des gens qui entendent des voix, par exemple. These are spirits. Ça, c'est les esprits. We hear about the evidence of them all the time from the Buddhist point of view. Il y a des types d'esprits différents. You know, the ghost that we call it that haunts a house is simply the mind of the human who did live in this house once, who is now reborn as a spirit because of their huge attachment to the house. Donc selon les explications bouddhistes, on a la preuve de leur existence, on peut la voir très fréquemment. Par exemple, quand on parle de fantômes qui hantent les maisons, c'est tout simplement un être humain qui vivait dans cette maison auparavant, qui est mort et qui, à cause d'un attachement très puissant à cet endroit particulier, à cette maison, eh ben, il a repris naissance en tant qu'esprit. Or spirits who possess a human body and harm them. And harm who? Harm them. Harm them. Who? Spirit possesses a human body and harms the human. Ah, il y a des esprits qui possèdent, qui prennent l'aspect d'un corps humain, qui possèdent un corps humain. Ah, d'accord. Qui rentrent en possession d'un corps humain et qui leur fait du mal à ce corps même. So you know, you might meet a person who steals your purse. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne qui vous vole votre sac à main. Donc, il y a du karma que vous partagez. Et donc, il se peut aussi que vous ayez un karma en commun avec un esprit et qui donc rentre dans votre corps. Ou il vient hanter votre maison. Il s'agit juste de connexion karmique entre les êtres. There's so many stories about the way that the lamas talk about these spirits and how you can, like the Catholics talk about, what do they call it? What do we call it? Exorcist? Yeah, that one. Et, donc il y a vraiment de nombreuses histoires chez les bouddhistes pour illustrer l'existence de ces esprits. De même qu'il y a beaucoup d'histoires chez les catholiques, des histoires d'exorcisme, etc. Yeah. I remember one old Lama, Song Rinpoche. When he first came to the West in the 70s, and they took him around different countries, and he was in Spain, and he visited a mental asylum, an old-fashioned mental asylum, all these crazy people, you know. Et donc, je me souviens très bien, il y a longtemps, un vieux lama qui s'appelait Song Rinpoche, la première fois qu'il a visité l'Occident, et il est venu en Espagne dans les années donc 70 et on l'a emmené dans un asile de fous où il y a tous ces gens très agréables qui vivent. Most are possessed by spirits, he said. Most of them are possessed. Il a dit que la plupart d'entre eux étaient possédés par des esprits. There's this one lama whose biography I was writing called Geshe Lama Konchog, this amazing holy being. Donc, il y a un autre lama, j'ai écrit d'ailleurs sa biographie, il s'appelait Geshe Lama Konchog, c'était un être extraordinaire. Yeah, an old friend of Lama Yeshe, un vieil ami together, Sera Je. Un vieil ami de Lama Yeshe, ils étaient d'ailleurs au Tibet dans le même monastère à Sera Je. When he left Tibet in 59, he went up to the mountains and meditated for 25 years. Et donc il est parti du Tibet en 59 et il s'est enfui dans les montagnes pour méditer. Il vivait dans des grottes, il n'avait ni habit ni nourriture. Rinpoche dit qu'il était vraiment qu'il était réalisé au plus haut niveau. Donc il y a des histoires. This nunnery he took care of up in the mountains in this little town in the section of Nepal called Tsum, right on the border of Tibet, up northwest somewhere. Et donc l'une d'entre elles, l'une de ces histoires, c'est que quand Geshe Lama Konchog s'occupait d'une nonnerie qui était au Népal, dans la région de Tsum, qui est à la frontière tibétaine. Et donc il méditait dans les grottes de Milarepa pendant de longues années, près de cet endroit. Tu sais quel siècle? Un yogi du 11e siècle, un yogi tibétain du 11e siècle. Anyway, he was up in one of his other caves, and these nuns from the nunnery traipsed up 12 hours to come and see him. Obviously, it was before mobile phones. Look at the advantage of having mobiles. Wow. Et donc il était en haut de la montagne dans les grottes, et les nonnes étaient venaient de la nonnerie. Elles grimpaient la montagne pendant une dizaine d'heures pour aller lui rendre visite. Et donc c'est assez évident qu'à l'époque ils n'avaient pas de téléphone portable. So they said, please come, Annie Tenzin's crazy. Annie Tenzin's crazy. Annie is the term they use for nuns. Et donc monter pendant des heures et des heures pour aller chercher Geshe là, pour lui dire, s'il vous plaît, descendez, parce que Annie Tenzin, la nonne, notre sœur Tenzin, elle est devenue folle. So he said, you stay here, I'll take care of it. It was the middle of the night. Et donc c'était en plein milieu. C'était le soir ou le milieu de la en plein milieu de la nuit, je ne sais plus, mais enfin en tout cas, il leur a dit, vous restez là et moi je descends. He got there in half the time that they took, even though it was downhill, because he had one of these abilities, because he had complete control over his mind and his physical energies, he was able to ride on the wind, run on the wind. Et donc il leur a dit, vous restez là, moi je descends, je vais m'en occuper. Donc il est descendu, ça lui a pris la moitié du temps que ça leur a pris, et pourtant lui il devait descendre et c'était très, très escarpé, mais étant donné qu'il avait un contrôle parfait sur son esprit et les éléments de son corps, il était capable de courir sur le vent ou sur l'air. Yeah. So these great tantric yogis, they talk about utilizing this particular system of understanding. They're very aware, they're very sophisticated in their knowledge of the subtler mental and physical energies, and so they can completely harness and work with this. Et donc ces yogis tantriques travaillent beaucoup sur les énergies subtiles de leur corps et de leur esprit, et ils sont capables de les utiliser. So they can walk on the wind, they can walk on the air. Donc ils peuvent marcher sur l'air, ils peuvent changer la météo. So the villages, in one cave he lived at this time, he lived just about an hour above the main village, and the villagers would come up and say, we need rain, Geshe Lama, we need rain. Et donc à une certaine époque, il vivait à environ 1 heure à pied au-dessus du premier petit village, et les villageois venaient souvent le voir en lui disant, Geshe là, on a besoin de pluie maintenant. Okay, how much rain do you need? 3 days, 4 days? Et donc il leur disait, d'accord, combien de jours vous voulez? 3 jours, 4 jours? Okay, it'll start at 5 o'clock. Bon, d'accord, on va commencer à 5 heures. So he'd do his thing and they'd say the weather would start or the rain would go away, whatever they needed. Et donc il commençait son truc, et puis comme il l'avait prévu, la pluie commençait, ou alors s'ils avaient demandé que la pluie s'arrête, la pluie s'arrêtait. They say according to this system, when you can have complete control over the inner energies, you can control the external ones. Et donc, selon ce système, ils disent que quand on contrôle toutes les énergies internes, on peut de même contrôler toutes les énergies extérieures. Anyway, he got down to the nunnery. Quoi qu'il en soit, donc il est descendu dans ce monastère de nonnes. Even as before he knocked on the door, this is, you know, the assumption here is that this nun is possessed by somebody, possessed by another being. Et donc avant même qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, donc on prend pour acquis ici que la nonne est possédée par un esprit. And according to the story, it turns out to be one of the local villages. When I'll explain the story. The spirit. Yeah. Et donc, selon l'histoire, raconte que cet esprit était l'un des villageois. So even as Annie Tenzin's in the bed, you know, and the spirit's inside Annie Tenzin, and he already knows it's Genla coming. Genla's coming. Go away. I didn't want to see him. He was guilty, you know. He felt ashamed. Et donc, il y avait cet esprit dans le corps de cette nonne, Annie Tenzin, qui était allongée sur le lit, et lui il avait déjà vu, il avait senti que Geshe Lama s'approchait, alors il disait, oh non, Genla s'approche, je veux pas le voir. So anyway, Genla came in and went to the bed. Et donc Genla s'est approché du lit, il a fait ce qu'il avait à faire. And the idea is the spirit is there because this person has got something of theirs, because the spirits are completely propelled by the most intense attachment, you know. Et donc, l'idée, c'est que l'esprit, il demeure là, dans le corps de telle personne, parce qu'il y a quelque chose à lui qui est là. Il est propulsé par un attachement extrêmement puissant. Et donc, ce que font les lamas en général, c'est demander qu'est-ce que tu veux. Donc, Genla lui a dit qu'est-ce que tu veux. So there's this deep voice. I want my pink thermos with the white flowers. I want my pink thermos with the white flowers. Et donc la réponse vient d'une voix un peu grave qui dit je veux mon thermos rose avec les belles fleurs dessus. Je veux mon thermos rose avec des fleurs dessus. And they look over there on the table and sure enough there it is. Et donc elle regarde sur la table d'à côté et évidemment le thermos est là. And the other nuns remembered that the villager who died, whatever, a few months ago, or whatever, a few weeks maybe, I don't remember, had given this nun a thermos of tea, and she'd forgotten to give it back. Et donc les nonnes se sont rappelées que avant la mort de ce villageois qui était mort, il y avait quelques mois étaient passés depuis sa mort, il avait effectivement donné un thermos de thé à cette nonne et elle avait oublié de lui rendre le thermos ensuite. So there is he, you know, like all of us, irritated, annoyed. You don't get your book back, your pencil back, your thermos back. Et donc évidemment, il est comme tout un chacun, quand fâché, en colère, énervé de pas avoir récupéré ses affaires, comme nous quand on récupère pas notre stylo, notre cahier. Et donc il meurt avec cet attachement qui dominait son esprit à ce moment-là. Pardonnez-moi, mais on est en train de parler d'un attachement à un thermos, à un livre, à un canapé. Essayez de vous imaginer ce qui se passe avec les autres attachements beaucoup plus puissants. Anyway, the whole idea is to cut the connection between the object and the spirit, which is what's driven the spirit to that person. Donc le but, c'est de couper l'attachement entre cet esprit et cet objet-là. So Geshe Lama says, well, we'll get the thermos and we'll give it away and do prayers for this being and all that in order to cut this connection, right? Et donc Geshe Lama a dit, bon, bah, on va se débarrasser du thermos, on va le donner à quelqu'un d'autre et puis on fera des prières pour que l'attachement de cette personne diminue. And then the spirit is crying. Et donc, so distressed. L'esprit se met à pleurer, il est tellement désespéré. Il dit je ne trouve plus mon chemin, je ne trouve plus mon chemin. Et donc, regardez dans vos propres vies quelle est la souffrance provoquée par l'attachement. Par exemple, l'attachement au gâteau. Imaginez-vous l'attachement au sexe, par exemple, qui est beaucoup plus intense. Vous êtes littéralement vous vous ruez littéralement vers votre objet. Vous êtes propulsé par le pouvoir de cette addiction. C'est quelque chose qu'on peut voir. So, spirit realm, you're only this. You're just like you're the embodiment of attachment. There's literally no choice. You're driven to wherever the things are that you're attached to are. Et donc imaginez-vous le domaine d'existence, être un esprit, c'est être ça tout le temps, n'être que ça. On est conduit, propulsé par son attachement sans cesse. Anyway, et donc, ce qui s'est passé, c'est que Genla a fait des prières, a fait ce qu'il avait à faire, et certainement cette personne, enfin cet esprit, a pu reprendre une renaissance humaine. Là, non. Yes, it's okay. In this particular case, the spirit was said to be the reincarnation of a villager who knew Genla and who had been a Buddhist. Et donc dans ce cas particulier, l'esprit c'était un villageois qui connaissait Genla et qui était bouddhiste. So because of Genla's connection with him, he was able to help him. Et donc grâce à la connexion qui existait entre Genla et lui, Genla était capable de l'aider. But there's another story about Genla as well in Kopan monastery. Il y a une autre histoire au sujet de Genla, du même professeur au monastère de Kopan. There are big courses there every month that foreigners go to, and there's especially the big one in November when a couple of hundred people come. Et donc tous les mois, il y a des cours de méditation qui sont proposés là-bas et particulièrement tous les ans en novembre, il y a un cours d'un mois qui est offert aux occidentaux. So one of the women there went crazy. Et donc un jour, une des femmes est devenue folle. And Gela was he lived there at the time. He was consulted because after he left the caves, he came spent the last 20 years of his life in Kopan. Et donc à ce moment-là, Geshe la vivait dans ce monastère parce que il était descendu de ses grottes et il a passé les 20 dernières années de sa vie à Kopan. Et donc il a été consulté à son sujet. Apparently after Lama Yeshe passed away in 84, Lama Zopa said when Lama Yeshe passed away, all the smiles at Kopan went away. Et donc parce que Lama Yeshe donc est décédé en 84. Et Lama Zopa Rinpoche a dit que quand Lama Yeshe nous a quittés en 80, après la mort de Lama Yeshe, à Kopan, tous les sourires ont disparu. And then out of the blue, it seemed that Geshe Lama Konchog just turned up at the same time, and he stayed there the last 20 years of his life. Et donc tout d'un coup, Geshe Lama Konchog s'est pointé tout d'un coup comme ça. Et a passé les dernières 20 années de sa vie là-bas. Et donc Lama Zopa Rinpoche dit quand Geshe Lama Konchog est arrivé, tous les sourires sont revenus. Anyway, so anyway, this story, this woman crazy, and they checked with Geshe Lama what he thought. Et donc cette femme est devenue folle et ils ont vérifié, ils ont demandé à Geshe Lama son avis. He said yeah, he could see that she was possessed by a spirit. Et donc il a dit que oui, il pouvait constater qu'elle était possédée par un esprit. Et donc il a dit, si vous regardez dans ses bagages, vous allez trouver un objet en particulier. Et l'esprit est attaché à cet objet en particulier. Cette fille était juive. Et donc dans ses bagages, elle avait apporté un objet rituel juif que son père lui avait acheté dans une boutique d'objets anciens. Et donc on peut en déduire donc que l'esprit avait été un être humain juif dans le passé. Et certainement le propriétaire de cet objet. Et maintenant qu'elle avait cet objet, ça a provoqué le fait que cet esprit est allé vers elle pour récupérer son objet. Often what they do in times like this when there's no connection between the spirit and in this case Genla, the Lama. Bon, donc ce qu'ils font dans des cas comme ça où il n'y a pas de connexion entre l'esprit et le professeur Genla. They use all kinds of methods to get the spirit to leave the person. Et ils utilisent tout un tas de méthodes pour faire en sorte que l'esprit quitte la personne. Et donc déjà, la première chose, c'est de jeter cet objet le plus loin possible pour trancher cette connexion. Et donc après, ça a l'air... C'est peut-être un peu brutal, mais il frappe l'esprit. So there's Genla whacking this girl. She's very surprised. Et donc imaginez-vous, Genla se met à tabasser cette fille. We know all about you. There's no reason for you to be here. You go now. Go. En criant, on vous connaît par cœur. Vous avez rien à faire ici. Maintenant, allez-vous-en. I've seen the lamas do this many times. Moi, j'ai vu les lamas faire ça de nombreuses fois. He never gets. He doesn't show that aspect. He always is very peaceful. Mais Lama Zopa, quand il fait ça, il est toujours très paisible. Il ne montre pas cet aspect. And one time in Singapore, the Chinese kind of relate to this and accept that they're possessed by spirits. They understand this. Donc une fois à Singapour, et donc dans ce cadre-là, les Chinois, pour eux, c'est quelque chose de banal d'être possédé par un esprit. Ils acceptent ça comme une réalité. Donc il y a une femme qui était possédée par un esprit. Hours and hours and hours and hours with this woman, with the spirit, trying to find a way to carefully. Ask it to please leave. Et donc Lama Zopa passe des heures et des heures en discutant avec cet esprit, en essayant de lui demander poliment, s'il vous plaît, vous pourriez peut-être vous en aller. So finally, the spirit was content with a cup of tea, and then he left. Et donc au bout d'un moment, l'esprit était très content parce qu'on lui avait donné une tasse de thé et il est parti. Right. So there you go, and it's lunchtime. Bon, c'est l'heure du repas. Donc vous pouvez parler de ça, réfléchir à ça pendant votre repas. Vous pouvez discuter, voir si vous trouvez ça complètement fou ou si ça a du sens peut-être. Pensons à notre repas différemment. Donc, tout ce qu'on essaye de faire en tant que bouddhiste, c'est d'essayer de prendre le point de vue d'un Bouddha, d'essayer de penser comme un Bouddha dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Donc, essayez de penser que le repas, c'est pas juste cette chose à laquelle je suis attaché ou envers laquelle je ressens de l'aversion. Essayons de la considérer avec le point de vue de la compassion. Il y a ce moine qui s'appelle Charles ici. Moi, j'y connais rien, mais je pense que c'est un être saint, c'est un grand méditant. Ça fait des années qu'il est ici. Et donc, c'est lui qui cuisine pour nous aujourd'hui, avec quelques personnes qui l'aident. Ils ne font pas ça pour l'argent, certainement pas. Et donc, et ensuite, il y a tous ces êtres vivants qui sont morts quand, par exemple, on a récolté les carottes, ou on a planté le riz. Tous ces êtres vivants donc sont morts, même si ça reste un repas végétarien. Des millions d'êtres vivants sont morts. Et donc, nous, on va manger cette nourriture afin d'être en bonne santé, afin de continuer à pratiquer, afin de devenir un Bouddha, afin de repayer la bonté de tous les êtres vivants, de chacun des millions d'êtres vivants qui existent. Lama Sanghe Lama Che, Dejen Lama Gedon Te, Kungi Jepo Lama Te, Lama Namla Che Pabul. Okidok.